amis. Aujourd'hui, on espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Ça va même très très bien. Et on se retrouve pour quoi aujourd'hui? Infini Monster Challenge. Infini Monster Challenge. Spécial Halloween. Bonjour. On a mis en place le Fini Monster Challenge. Alors Corentin, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme les Jelly Belly, en fait, c'est des bonbons qui sont bons ou pas bons. Voilà, donc voilà. En fait, on a une couleur de bonbon qu'Océane va nous dire. Donc là, on a le thé de loup-garou ou coca. Alors ça, c'est la couleur marron, donc ça peut avoir deux goûts, donc très bon ou vraiment, vraiment pas bon. Donc voilà. Alors ça, c'est cerise ou jus de ver de terre. Voilà, donc ce sera pour la couleur rouge. Rouge. Voilà. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Il faut choisir son joueur. Voilà, bon, vous expliquerez à quoi ça sert les cartes. À quoi on mange la place. Donc, verru de sorcière ou... Attends, non. Non, mort de troll ou pomme. Voilà, donc ça, c'est pour la couleur... Vert. Pour la couleur verte, crotte voilà. Crotte de nez de troll. Crotte de... ouais, morve de troll ou pomme. Ensuite, on a... Passe au tour. Bon, pareil, je vous expliquerai après à quoi ça sert cette petite carte. Et on a verru de sorcière ou framboise. Pour la couleur... Bleu. Pour les bleus, verru de sorcière ou framboise. Donc voilà pour les goûts. Bon, donc on a 4 couleurs, 8 goûts différents. Donc nous en fait, on a découpé les petites cartes de la boîte qui est ici. On voilà, dirait ça c'est télé. La boîte. Et derrière, on a découpé ces petites cartes qui vont nous servir pour le challenge. Alors bien sûr, on vous mettra dans la description où est-ce qu'on s'est... on a pris ce super monster challenge. D'ailleurs, on l'a trouvé où? On l'a trouvé chez My Little Candy Shop. En fait, c'est une boutique de Nîmes. Donc, si vous êtes Nîmes ou si vous habitez à côté, vous pouvez aller faire un petit tour. C'est super sympa. Il y a plein de bonbons américains, japonais, enfin, des bonbons du monde entier. Ou sinon, vous pouvez aussi le trouver sur internet. De toute manière, on vous mettra le lien dans la barre d'infos. Qu'est-ce que tu as devant toi? Les bonbons. Les fameux bonbons qui étaient dans la boîte. Donc on les a mis dans un saladier. C'est là, mais j'ai pas trop bien envie de les manger. Un peu à peu ressemble. Donc voilà, tous les bonbons avec les 4 couleurs différentes. Donc on va vous expliquer le challenge. Donc on a... Alors, combien de cartes devant nous? 6. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, je vous explique le tout. Donc déjà on doit mélanger les cartes en fermant les yeux. Okay. Je pioche une carte en fermant les yeux. C'est si c'est et quoi, pour hasard, de loup-garou ou coca. Et bah tu pioches un marron. Je pioche un marron, je le goûte si c'est pé de loup-garou et je suis obligée de le... Enfin pas obligée, mais si voilà, je le mange entier, je marque deux points. Si je le mange, si je mange la moitié, 0, et si je ne mange pas du tout, 0. Si j'ai le bon, forcément, on va pas attendre de le manger, hein. À part si on n'aime pas, hein. On risque de ne pas aimer. Et bah, si on a 0, mais si on le mange, et bah, on a un point. Voilà. Donc en fait, si on mange le bonbon et que c'est le bon goût, on a un point. Si c'est le mauvais goût et qu'on mange en entier, on a 2 points. Et si on ne mange pas du tout le bonbon qu'on refuse, on a 0 points. Donc on fait une partie en combien de points? En 5 points. 5 points, d'accord. Donc, on va commencer par qui? Mais qu'est-ce que tu me fais? Ben, on va suivre. Shifumi, Shifumi. Ah, ben voilà, c'est Corentin qui commence. Non, c'est Océane. Ah non, oui, Océane a perdu, donc elle commence. Alors, je ne vous ai pas expliqué, on a 4 cartes avec ben, les ingrédients. Bah, on a les pas bonbons, son tour. Et on a pas son tour, et aussi... On a bah on a aussi bah en fait voilà qu'il faut choisir en fait ça. Un joueur qui mange à notre place en fait le bonbon. Donc voilà, donc on choisit on un joueur qui mange ou pas le bonbon à notre place et qui nous fait marquer les points. Voilà. Trop bon tiens. Pé de loup-garou. Ah pareil pour Océane, donc pé de loup-garou ou coca. Allez. Il n'aura plus. J'ai pris un
pas marron, donc c'est Christine. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est marqué fini. Non, mais c'est la marque. Bah oui. C'est pas que le challenge est fini. Hein. Coca, vous. Coca. Coca. Tu manges en lundi ou pas? Donc ça fait un point. C'est à Corentin, donc tu peux piocher, vas-y. Yeah, c'est bon. Coca. Coca ou P de loup-garou. Alors on y va. Alors. Coca. Coca. Donc est-ce que tu as mangé en entier? Bah oui. Donc c'est combien de points? 1 à 1. Donc c'est Zico pour le moment. C'est ton tour d'Océane, donc Corentin, mélange à la place. Allez, vas-y Océane, tu peux piocher. Et c'est quoi? C'est cerise ou... jus de verre de terre. Alors vas-y, c'est un rouge. Le rouge. Allez. Si tu le manges pas. Alors, si tu n'aimes pas, tu le manges pas. Ouais. Enfin, si tu n'es pas obligé de manger. Oui, oui, voilà. Parce que si tu veux pas, tu manges pas. Alors? C'est pas le bon, mais je le mange. C'est pas le bon? C'est pas cerise? C'est pas le bon. Attends, faut voir si elle le mange. Voyons. Parce que c'est du jour. C'est le goût de le crotte de nez dans les jelly belly ou boum. Ouais. Alors, est-ce que tu vas l'avaler ou pas? Attends, on n'est pas sûr, faut attendre la fin. T'es pas obligé, hein. T'es pas obligé, Océane. Attends, je mange déjà. C'est moi qui mélange pour toi. Eh oui, c'est Océane qui mélange pour toi. Alors, vas-y. Ouah, pichy. Pichy, ça sent bon, mais... Ah, t'as du mal, hein. Ben, ça pue à fruits. Avalé? Non. Avale de l'eau. C'est juste au niveau de l'eau. C'est bon? Tu vois? Ouais, bravo. Donc ça fait 3 points. Bois de l'eau. Océane, bravo Loulou. C'est au tour d'Océane de mélanger. Alors vas-y, Corentin, les yeux fermés, tu peux tirer. Bah, mais c'est bon. Hein. Ton petit mélange. Ah, voilà. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Non! De sorcière ou pas boire. Fais voir, c'est quelle couleur? C'est bleu. C'est bleu. Bleu. C'est bleu. J'appelle ça bleu. Allez, vas-y. J'ai encore le goût. Alors, ça fait 3 à 1. Ok. Alors. Framboise, donc ça nous fait 2 points à 3. Hein? Eh oui, Océane a mangé l'or tout à l'heure. Ah oui, mais il était mauvais. Eh oui. Alors, à Corentin de mélanger pour Océane. Alors, on mélange bien. Allez, Océane, vas-y. C'est bon, Loulou. Attends, un petit mélange. Attention, on va aller par terre, attention. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Je choisis une personne. Fais voir. Moi, je vais te manger. Tu choisis une personne pour manger le bonbon à ta place. Alors, qui est-ce que tu choisis? Maman, bien sûr. Donc les amis, c'est à moi de marquer, d'essayer de marquer le point pour Océane. Donc on y va, je prends le demi par les finis. Je ferme les yeux et là j'ai tiré quelle couleur? Rouge. Allez, on y va. C'est vraiment horrible quand on tombe sur le pavon. C'est cerise ou. De toute manière, même si c'est une cerise, je regarde ça. Ou truc de verre de terre. Oh non! Non, pas bon. Moi je vais arriver. Tu le manges. Enfin, t'es pas obligé de manger, hein, maman. Attends, elle va recrocher. Hein. Ah. Recroche. Non, je peux pas. Voilà. Je peux pas.
Je peux pas, tu marques pas de points, désolé, mais c'est vraiment pas bon. Mais vraiment pas bon. Moi, je choisis. Donc ça fait toujours 3 à 2. Allez, ah, mais vraiment pas mais bon. Mais moi, j'ai encore le goût sur les dents. Dans mes yeux, loulou. Voilà. Oh. Allez. C'est quoi? Passe ton tour. Passe ton tour à Océane. Allez, vas-y. Allez, vas-y, non. Ferme les yeux, tu peux piocher. Non, c'est pas là. Et là, c'est... Oh non, truc de sorcière. Enfin, truc non. De verre de terre. Cerise ou jus de verre de terre. Oh, cerise ou jus de verre de terre. Encore le rouge. Oh. Eh bien, le rouge, il y a des succès, là. Pas par moi. Donc, on y va. Si tu l'avales... Déjà, je goûte la moitié. Alors, attends, si c'est cerise, eh ben, tu marques pas de déjà, point. Je goûte la moitié et après, je goûte entier. Allez, vas-y. Déjà, moi, c'est quoi? Bah, en fait, t'en sors pas trop le goût, quoi. Tu sais, juste. Allez, vas-y. Elle va goûter un coup! Allez, croque! Croque! Mange! Allez, croque! Cerise! Cerise! Est-ce que tu vas le manger en entier ou pas? Ouais, pas encore. Tu sais pas encore? Allez, à Corentin, donc on y va. Allez. Donc toi, ça te fait 4 points et Corentin, 3 points. Pikachu, je te choisis. Oh non, tu choisis un joueur. Oh non, mais c'est pas possible. Hein. Allez, c'est bon. Je prends celui-ci au hasard. Tu n'es pas obligé de le manger. Oui, celui-ci, donc c'est un verre. Oh, prends marron. Verre, donc on y va. Pomme. Ouais. Bon, donc ça fait 4 points à 4 points. Ouais. Ex aequo. Je mélange. Ferme les yeux. Oh, on est et ferme les yeux, maman aussi. Allez, hein. Vas-y. Ah, c'est un verre. Pomme. Morve de troll. Alors attention. C'est les trolls du troll 6. Là, on est sur 4 à 4. Ah oui. Donc voilà. Il y a presque un ex-aequo. Faut pas manger. Si tu finis. Enfin, si, il y a un ex-aequo. Non, vas-y, mange pas. Mange. C'est quoi? C'est une marge de troll. Alors, de toute manière, si tu manges en entier, tu as 5 points. Même si c'est un bon. Enfin, si tu manges pas, ça va. C'est pas mal et tu manges. C'est pomme. Donc ça te fait 5 à 4. Alors comme on a dit, on finit avec Corentin. C'est Océane qui avait commencé. Non. Ah bah si, c'est Océane qui avait commencé. On avait fait son tour. Mais c'est pas grave. C'est un coup toi, un coup Corentin, un coup toi, un coup Corentin. Donc on y va, Corentin. C'est parti. C'est moi qui mélange. C'est moi qui mélange. Donc on là, y va. On va voir. C'était chouette. Donc du coup, on va voir. Ferme les yeux. On va voir. Alors attention. Alors. Pioche, ferme les yeux. Non. Quoi? Tu fermes les yeux. Je mélange pour Corentin. Donc quoi qu'il arrive. Bon, on va voir, remarque. Allez, vas-y, pioche les yeux fermés. Voilà, donc là c'est lequel? Ah là là là. Coca ou P de loup-garou. Non, c'est à Corentin de choisir son bloc. Bloc. Alors de toute manière, écoute-moi garou. Tu as 4 points. Si tu as le bon et que tu manges en entier, tu as 5 points comme ta soeur, vous êtes ex-aequo. Mais par contre, si tu as le mauvais et que tu manges en entier, tu auras 6 points. Oui. Donc, tu gagneras ce challenge. Oui. Ok, allez, c'est parti. Alors, Coca, Pédougarou. Coca. Donc, ça nous fait une égalité. Bravo les loulous, vous êtes égalité, en fait. Voilà, bon c'est bien parce que t'as pas triché. Bien joué, dire que c'était le mauvais. Bien joué, mon Jean-Marc. Tu vas vous en autre pour le fun? Allez, vas-y. Attends, je vais dire que c'était le loup-garou. Les loulous, c'est la fin de ce challenge. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Super bien. Super. Trop bien. Est-ce que vous vouliez recommencer? Oui. Ouais. Bah ben, pas moi. Non, non, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du goût?
Est-ce qu'ils étaient pires, moins pires, pareil que les Jelly Belly congolais? Pire. Ouais, ils étaient quand même, y en a, j'ai encore le goût dans la bouche de l'ail mélangé à je ne sais quoi, croquettes pour chien, je sais pas. C'est vraiment horrible, ils sont vraiment horribles. D'ailleurs, si vous voulez les tester, on vous met tous les liens, comme je vous ai dit, dans la description. Franchement, ils sont pas mal et puis ils sont vachement moins chers que le Jelly Belly. Parce que je crois qu'ils coûtent 4 fois moins cher. Enfin bon, c'est vraiment, vraiment, ils sont vraiment pas chers et ils sont vraiment bien. Donc, les amis, dites-nous si cette vidéo vous a plu. Comme on dit où? Dans les commentaires. Et puis aussi, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez déjà goûté aussi, c'est fini Monster Challenge. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Bisous, les amis. Bisous, moi. Ciao.